אומרת בתורה, פרשת זכור ונמצא אחרי כן, שיש בספר תורה פסול. אפילו אם נתברר כן בשעת מנחה, יש להוציא ספר תורה אחר, ולקרוא בו פעם נוספת בלי ברכות. כן, il nous dit le Rav, si maintenant après qu'ils ont lu dans le Sefer Torah, ils ont trouvé dans Parashat Zachor que le livre n'était pas soul, alors c'est mitzvah d'assez min Torah, l'ikro Parashat Zachor, même qu'il n'y a pas le Zman, les Chachamim kavu le Zman, aval sof sof, mincha prend le Sefer Torah et sort be Shabbat à mincha sans brachot, il nous dit le Rav. Im kavu betorah et Parashat Zachor. והר כמה שבתות מצאו טעות בספר תורה שקראו בו יכוונו הציבור לצאת ידי חובה בפרשת כי תצא. נודי לרב סימנו לבונו, תות לסום, אסמבלי. היא קומנסה הליר, היא לא תחווה על טעות על ספר תורה, רק אחרי ללקטיר. אחרי ללקטיר, זו תחווה, זו... פיור שבתות. Il dit le Rav, la même Rav, ouais. La halakha précédente, c'était de Minchat Shabbat. Exactement. Et là ici, voilà, exactement. Chazak Ovo Riako. C'est-à-dire qu'après les Shabbat, quelques Shabbatot après, ils ont trouvé un Taout, qu'est-ce qui se passe? Ils ne ressortent pas, mais ils sont Mechaven dans Kitetse. Dans Kitetse, c'est dans des varim, dans quelques mois après. Vous en rappelez, hein? Il faut tout le temps savoir, quand on fait Kitetse dans... Il faut se dire dans la tête, Ani Mechaven, il faut dire en premier au Shaliar Tzibou. Shaliar Tzibou, Mechila, Kevodo, Ye Kaven. Parce qu'il y en a qui sont loyaux, mais skenim, ils étaient cholim, ils étaient empêchés. Moutar la vie, sefer Torah, imakom le makom, mishvit parashat zachor ou parashat para. Shekol ha-shem machinim, le sefer Torah, arod meteva, afilu eno. Adam chashuv muta. Ou le adam chashuv muta, afilu bli hachanat arod meteva. Il faut savoir que c'est muta d'emmener un sefer Torah d'un endroit à l'autre. Pour... Si maintenant on parle de parashat para et parashat zachor, parce que si maintenant on prépare un endroit et, excusez-moi, on prépare aussi un aron kodesh, alors, ou même si maintenant l'homme il est hachou, alors ça s'appelle que c'est un endroit déjà, ou un homme il est hachou même. Afilou, non, on parle maintenant, en général il y a trois conditions. Une condition, un makom. Okay. Il nous dit le Rav ici, si maintenant on peut porter un Sefer Torah d'un endroit à l'autre. Par exemple, ils sont dans une communauté, ils ont loué une salle, okay. Ils veulent prendre un Sefer Torah. Si tu as préparé un Aaron, Teva, alors c'est moutard de prendre le Sefer Torah et de l'emmener là-bas. Stam, l'otzi, Sefer Torah, c'est assour. De prendre, sortir le Sefer Torah dehors, de transporter, c'est assour. Seulement si tu as préparé dans l'autre endroit là-bas, un endroit fixe pour Aaron Kodesh. Alors c'est Mouta ou c'est pour un Adam Hashoum. Un Rosh Yeshiva, un Degdolik, Doléador. C'est Mouta. Mais l'Adam Hashoum Mouta, fil oublié à Hanat Aaron. Tu le prends maintenant, c'est un Adam Hashoum. Tu prends, tu mets une table, tu prends le Sefer Torah, tu le mets sur la table, tu couvres. Il faut faire très attention à son Sefer Torah. Très, très, très attention. Je vous dis maintenant, entre parenthèses, très attention. Il y avait une fois, l'Agmara raconte que. Hachem Ishmo, il ne m'avait pas que c'était un des Amoraïm qui l'a marié son fils. Et tout d'un coup, le lendemain matin, il est venu, je crois qu'il est, où il est venu son fils, Mashukazé, grave. Hachem Ishmo, où il est arrivé, je ne m'avais pas quoi, que lui, il devait mourir. Il a été cherché dans la maison, qu'est-ce qui se passe? Dans la maison du Hatan, il y avait un Sefer Torah. Alors ils ont dit, il a dit l'Amora, je ne me rappelle qui c'était, il a dit quoi, vous voulez tuer son fils, maman. Comment c'est, faire très attention, le bonhomme il est marié, si maintenant il est seul, et encore, il faut savoir de mettre dans une chambre à part, le bonhomme qu'il est marié, même cette fille, il faut qu'il sache, il campe, okay, dans un pique-nique, il va dans un bungalow. Dans un bungalow. Bungalow, l'homme chané. Où tu mets tes filines, monsieur? Ah, hey, mais dans mon sac, ma sacoche. Oui, mais ça sacoche. Il faut savoir qui souille qu'à voir, l'eau qui souille qu'à voir. Si c'est qui souille qu'à voir, ça s'appelle qui souille echad. Il faut chiner qui signe. Il faut le mettre, c'est bien, c'est conseillé de le mettre dans un endroit. Fermé. Dans un endroit fermé, etc. C'est dangereux. Il ne faut pas s'amuser avec le feu. Prenez, mettez-le bien dans un armoire. Même les. C'est précodé. Il faut que je vais te dire. Il y a des halakhot, il y a des halakhot. Dans les chambres.
Hein? Dans les chambres. Dans les chambres, oui. D'accord, d'accord. C'est important. Alors il nous dit le Rav, « V'kach adam v'gen Abraham, v'parashat zachor, moutar la vie, c'est pas Torah, c'est la dame, cholé. V'kach adam, apri megadim. V'haya adam. V'aussi, je vous dis, v'parashat parash, egam hi min Torah. » Et tout cela qu'on peut, après les Chachamim ici, ils nous disent que tu peux emmener pour parashat zachor et para pour un adam cholé. Pourquoi? Parce que c'est d'orah et avéré, v'shut et biya omer. שכל שמכינים לספר תורה, ארון וטבעה, אפילו אינו אדם חשוב, זה מותר. דבר רבי אומר לרב, הרב עובדיה זצ"ל, יתחנש כסיטיה, שפרפרי, ארון קודש, מם כי יפה אדם חשוב, זה מותר דומני אין ספר תורה. ולאדם חשוב מותר אפילו בלי הכנת ארון וטבעה. נער שהגיע ל-י"ג שנה, ולא הובהר אם הביא הפה שערות ושומרים שאינו מוציא את האחרים על ידי חובת הפרשה, זכור ופרה. Un enfant, même qu'il est arrivé à 13 ans et un jour. Et on ne sait pas encore, c'est pas clair, que l'enfant il a déjà des poils, deux poils. Pour que lui, qu'il est déjà grand de la Torah, il faut qu'il ait deux poils. Et puisque nous maintenant on ne sait pas, il ne peut pas nous rendre quitte. De ouais. Parashat Zachor ou Parashat Para. Yeshomrim. Sheoil vekriot elu min haTorah en somchim al chazaka shivi betzeirot. Puisque maintenant c'est de la Torah, on compare sur la chazaka. Ach, da'at arivash. Ve'od rishonim shesomchim al chazaka shivi betzeirot gam ledvarim shehem shel Torah. Et après le rivash, il nous dit que puisque maintenant il y a une chazaka, il est arrivé à 13 ans il y a un jour, chazaka que lui, il a emmené deux poils. Mais René Carledine, d'après le Rav, il tient que oui, on peut compter, il montre le katan qu'il a 13 ans et un jour, c'est sa bar mitzvah, et lui maintenant, il lit parashat maftir, il veut nous rendre quitte, chazakatan, yechol, otsi, otanu, yede, chova. Mais kol makom, echad efshar tov, venachon, echad chila, שאת קריאת פרשת זכור, פרשת פרה, יקרא גדול שיודע, שידוע לנו בבירור שהביא בית שערות. Il nous dit, mais par contre, quand on peut, où on peut, dans des situations que oui, on peut faire ainsi, que le gadol, lui, qu'il a déjà vraiment de poils, il peut nous rendre quitte, et c'est plus conseillé que le katan, il nous rend quitte, que le katan. Pourquoi? Comme ça, on est rendu quitte de tous les déhôtes, de tout le monde. Pourquoi? Parce que... C'est une isvata séminat Torah. Ah, mais il y a un im en mishika la im parashat zachor, ou para, et la katan iska, ou shavar vekara la im parashat zachor. Ou parashat para, michelon ivdak. Im i vivet seharot, et sous l'idechovat minat Torah. Il nous dit le Rav, et si maintenant ils ont transgressé, à Kavana, qu'ils n'ont pas posé la question, et le Katan il est monté au Sefer Torah, ou, sans faire attention, il ne savait pas la halakha, et après coup, il savait la halakha que c'est Mouta, que c'est Assur, que c'est Lokidai, excusez-moi, je vais pointer Dieu dans Lokidai, a priori, il faut prendre quelqu'un que lui, qu'il est grand déjà, quand même, ils sont rendus quittes de la Torah. Beshabbat Zachor, Noagim, Noam, Piyud, Micha, Mocha, Men, Kamocha, d'après certaines communautés, la plupart des communautés, on le minag il est de dire avant qu'on sort le Sefer Torah. Okay. Alors il dit, mais là il y a psikou b'amirato, ben psouke les imra le tfila. Par contre, si c'est dans la tfila, avant Nishmat Kolchai, il y en a qui disent, mi kamocha ben kamocha, mi domena vechule. Ils étaient tous avant Nishmat. Ça, il dit le Rav, assur de dire comme ça, c'est Efsek. Et là, de dire jusqu'après que tu as fini la Chazara, Kadish Tit Kabbal, tu dis tout de suite. Ve kama ki lo dayu noagim lafsik kodem Nishmat kol chay micha mocha ou bitlu minagam al pi horat rabotenu achronim. Et d'après combien des communautés, que eux, ils avaient l'habitude de quoi faire?
de faire avant Nishmat Kol Chai, Michamocha, et le Rav il leur a dit, c'est un Efsek. Alors ils ont arrêté, Kol HaKavod Lahem, Benachen, Im Yesh Ot Keila, Shenoeg El Amor, Lifnei Nishmat Kol Chai, Tov HaDavar, Sheivatlu, Et Minagam, Vaskamat Rashi HaKahal. באופן שלא יבואו לידי מחלוקת, כי דרכיה, דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלו. העיקר נפאפר דיסטוארה. העיקר נפאפר דיסטוארה. סי לבונו מי מנוע. אילי דרזין קומינותי פרי. אינסה להלכה. לבן כיסותי, אילי פה וכו. כיסותי. אילי קוט. לוי קונטינו, ז'וודי פרנשמו, דפסר אתי. לוי כיפה נשמת כל חי סול. אילי פי השתבח. אלא בא אילה רט, אילה טוב. Que c'est long. Tout cela, il attend. Lui, il fait soi-disant, lui, il lit avec eux, mais lui, il fait autre chose. Mais elle n'a pas la saute. C'est Chacha Sefsek, ça. C'est Efsek. Okay? Alors, qu'il fait vite de la Nishmat Kol Chai et qu'il attend. Sheikhal Yud Gimel Adar Be Shabbat. Shi'i Shabbat Parashat Zachor. El Lomar Tzidkatecha Tzedek Umimincha Shu Erev Purim. שאין אומרים בו תחנונים. קומנו, אדר, יוד גימל, כוסה, זה שבת פרשת זכור. עודיפה צדקתך המנחה. פסקו, זה לבית בפורים. זה תנס ספרי, נכון? לבית בפורים זה דימוש. לא? זה סע? משה? זה דימוש. זה דימוש. לא, לא, פרונו זה יום, הדויזם ז'ור. אז ירוזלם זה לא... אני מחר חודש, מחר חודש. אני כל מיני פסוקים, דם פסוקים למחר חודש. זה סתום... דימוש. דימוש, 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 Alors, je t'ai dit Esther, c'est Yud Gimel. Et comme ça tombe Shabbat, on avance. Au 11. Au 11, Yud Aleph. Comment dans un calendrier que... C'est écrit dans le. Qu'est-ce que ça fait deux fois que c'était vendredi. C'est pas vendredi. Non. J'ai dit, j'ai retenu que c'était pas vendredi. C'était mieux conseillé que c'était vendredi. Non, 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 je suis d'accord. Comme je vous dis, entre parenthèses, celui-là qu'il faut savoir Pourim. Une guimel, c'est Shabbat. Ouais, il faut savoir que Pourim, il y a ça, c'est Chorob Efsedo. Le bonhomme, il fait Pourim. Au lieu de gagner Pourim, il perd Pourim. Non, Shushan Pourim, c'est même Nimouzi Shushan Pourim. Dimanche soir. Dimanche soir. Comme il disait le Rabbi Sinyagen, Zatzal avait dit quand c'est Hanouka, les gens ils mangent des lebibot, soufganiot. Quand c'est Pourim, les gens ils sont mitrapsim ou ils se souent. Quand c'est tout Bishvat, ils plantent un arbre, etc. etc. Ils ont fait des coutumes. Mais l'essentiel de Pourim, c'est quoi l'essentiel de Pourim? Ora, Torah, Iora. Ça c'est Hanouka. Pourim, Kimoubi Kiblu. Kiblu, Torah, Shebalpe. Comme un homme, lui, il doit maintenant se renforcer. Belimouda Torah. Il y a des endroits, pendant toute la nuit de la veille de Pourim, ils étudient. Le lendemain matin, ils font Kriyat HaMegillah. Ils vont. Donner Mishloach Manot, Matnot Laevionim, ils font son festin Zbach le matin après le Netz, avec un morceau de steak, et ses enfants, Shalom, il a fini Pourim le bonhomme. Il est dans Pourim, il a déjà étudié toute la nuit, maintenant il peut y dormir un peu, et là il a gagné Pourim. Super la femme et les enfants. Mais, oui, avec l'affaire avec les enfants, s'il veut. Au Netz. Super. On parle, donc il faut faire attention. Il faut savoir une chose. Papa, quoi? Maman, des fois Pourim, ça, Hachem Ishmor pour les enfants. Papa, fais attention à les enfants.
et à tout le monde. Ça ne veut pas dire que Purim, ça veut dire Hollelout. La débauche. Ils font Purim, Zarma Purim. Et après, qu'est-ce qui se passe? Le bonhomme, lui, devient sourd. Il fait qu'est-ce qu'il fait? Ou elle, madame, elle fait qu'est-ce qu'elle fait? Il faut savoir, selon la halakha, une femme, elle n'a pas le droit de boire du vin sans que son mari il est à côté d'elle. Mais on parle de son mari qui est à côté d'elle, que lui aussi, il n'est pas fou, il n'est pas sourd. Mais s'il est sourd, ça s'appelle son mari, il n'est pas à côté d'elle. Il n'y a pas de chômeur. Il faut savoir que c'est grave. La Gemara, regardez dans Maser Ektubot, Saber Dalet Amud Aleph, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara sur une femme qu'elle boit du vin. Un verre de vin, la femme telle. Deux verres de vin, la femme telle. Exactement, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Regardez là-bas dans Ktubot. C'est sûr qu'un homme, aussi, s'il commence à boire et il va rater, il faut savoir, il y a un prix Megadim. Dans, qui c'est qui l'emmène ce prix Megadim? C'est le Biur Alakha dans Shulchan Aruch, Chafetz Chaim. Il emmène, il a dit, celui-là qui perd une mitzvah des Rabbanan, pas des Oraita, une mitzvah des Rabbanan, ça vaut rien sans pourri. Une mitzvah. Si maintenant lui, il va faire maintenant une bracha, chez Akol Nia Vidvaro, avec la tête chez Akol Nia, et puis après, il va pas, il sait pas si, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a continué. Il est ouvert à sur l'olishtot yain. Quel va chomer le Birkat HaMazon à la fin du Mishter? Kol Sheken. Et Mincha, celui-là qu'ils font après. Conseil, tu fais le festin avec ta famille, les hommes de là-bas, les femmes de là-bas, parce que quand le vin il rentre dans le corps et la tête elle fait comme il dira au Vadia Zassal, la tête elle fait wind, elle fait comme ça, et le bonhomme il regarde là-bas, il regarde là-bas, fais ton festin, Betzniout, tu as fini de manger, tu as bu un verre de vin, ça suffit. Et c'est écrit « Yishte yoter mi limudo ». Mazé limudo, c'est l'habitude de boire un verre de vin à Shabbat. Là, tu prends deux verres de vin, ou un verre et demi. Si tu as l'habitude de boire un moitié de verre Shabbat, rien que le kidouche, et bien prends un verre entier. C'est tout. « Vekiyam tata mitzvah ». Le katoub et shumakom. Ah oui, katoub chayab yinish nebisoume. Alors, on a des pshatim dans ça. Un homme chayav li bisoume, katoub li bisoume, c'est l'itbassem. L'itbassem, ça veut dire d'être parfumé. Ça veut dire quoi parfumé? Quand un homme, il a bu du vin, il fait... Il sent le vin. Qu'est-ce qu'on fait du Adeloyada? Adeloyada va dormir. D'après le Rambam, t'es rendu quitte. Celui-là que lui, maintenant, il faut savoir qu'un cas, c'est clair. Moi, j'ai vu des Gdolim. J'ai vu des Gdolim. Le Rav Ben Hamo, il était de côté, il étudiait avec sa Chavruta, Nigma Kol Sipur. Nigma. Il faut savoir que si le bonhomme, lui maintenant il veut faire bien, il veut une fois, hein, une fois par dans l'histoire, il veut bien boire. Et bien il prend sa femme, qu'il met à côté d'elle, que c'est un bulldozer à côté de lui, que si maintenant lui il vire à droite et à gauche, elle le prend et le met dans son lit. Alors là, et encore, c'est l'onachon, c'est taout, même il y en a machloket rishoni. Machlok est achronim dans cela. Si vraiment il doit boire, il doit se saouler, tout cela. Zelonachot. Il y a beaucoup d'Egdolim qui disent la Torah est impossible qu'elle va nous donner une mitzvah qui est des cas. D'après la Kabbalah, il faut savoir. La Kabbalah, elle nous dit Mazé Adeloyada. Très fin. Il faut qu'il boive d'une quantité que dans son cerveau, dans le cerveau, nous on a Binanadaat. Que ce date là maintenant, qui vient Chol, il change. C'est un vrai cheveu. Qui route à Sarah. Il a passé, il n'a rien fait. Il n'a pas arrivé, il n'a rien fait. Il faut vraiment que le bonhomme il connaît. Il faut qu'il étudie la Kabbalah pour arriver à ça. D'après ce jour-là, il est Mekoubal. Toute l'année, il n'est pas Mevarer comme Moshe Tsarir. Il ne fait pas bien Katamazot, il ne fait pas Satfila comme ça. Il n'a pas Tfilin comme Moshe Tsarir. Il ne fait pas les mitzvot que Moshe Tsarir. Il n'étudie pas la Torah Bichla. D'après, il arrive pour lui. Yom Purim, Kippour. Mais t'as sauvé? Kippour. Eh bien, fais maintenant la Yonim. Même à Kippour, il essaie de faire au maximum. Nahon, fais maintenant la Yonim. Ils disent, les Mfarshim, ils disent, Amadavar, Achikadol, Bepurim, c'est maintenant la Yonim. Ten. Prends un Mishloach Manot, deux Mishloach Manot, bien. Bien. Ok? Tu donnes, hein, qu'est-ce que tu as donné? Il y a Satayi Dechova, le reste donne maintenant la Yonim.
Quand tu prends un viande, pas tout le monde qui te... Même d'après la halakha, comme il se projette notre nimlo, c'est écrit. Même un enfant, il te donne, tu lui donnes un shekel, un shekel. Le seul jour qu'on pas, on ne doit pas vérifier. On va pas vérifier. Okay. Ah bah, et sinon, Avalma fait maintenant la viande plus que Mishloach Manot, plus que Seudat Purim. C'est le jour. Lama, Kol Mishé Pochet Not Nimno, Ma'apshat, parce que ta tfila maintenant ce jour-là, c'est très gavour. Si tu demandes, ça peut se réaliser. Ça dépend de ton travail que tu fais. Mais il faut attention, il faut faire très attention de ne pas être à côté. Ça veut dire de ne pas prendre de laisser l'essentiel, de mettre de côté et le Icar, de le mettre de côté et de prendre le tafel. Le tafel, c'est la holelout. La holelout, c'est la. Comment on dit holelout en français? La débauche. Oui, comme la haute débauche. Okay? La débauche. La débauche, ça, quand on a beaucoup sonné. On a vu des histoires, qu'est-ce qui s'est passé ce jour de Pourim, un jour, parce qu'il est très grand, le Tzara est très grand. Le jour de Matan Torah, il était très grand. D'accord? Parce que, qu'est-ce qu'il dit la Barashi? Mishuma Inara, tellement qu'il était très grand, le Tzara, il était là, ils ont fait après le Bodo. C'est pour cela. Comme a dit la Shunami, Betochami Anochi Yoshabet, fais, qu'est-ce que tu veux faire à la Hesh? Fais à la Hesh avec les enfants, Yishui. Lama, prends un verre de vin, bois un verre de vin, fais à la Hesh. Tu cherches un moment maintenant pour faire Mishui. Voilà, c'est un jour. Tu fais avec les enfants Mishui. Tu fais comme il faut, sans blesser les gens, etc.